télévision. Mais avant ça, café. Endormie, c'est une dinguerie. Il est 18h. J'ai plus la force de travailler. Franchement, genre, j'en peux plus. Je suis à bout. En fait, genre, j'ai commencé à lire le chapitre sur la croissance économique et là, d'un coup, j'ai eu mal à la tête. Genre, je sais pas, c'est fou. Là, partout dans ma chambre, tout ça là, c'est pour l'AMC. Là, c'est pour l'AMC. Ça, c'est SES. Tout ça, SES aussi. Il y en a même, genre, à l'entrée de ma chambre, comme ça. À chaque fois que je rentre dans ma chambre, je relis bien ça. C'est hyper important. Du coup là j'arrête de réviser aujourd'hui parce que j'ai pas la tête à ça. J'ai reçu des colis, j'avais trop hâte de les recevoir. Donc j'ai reçu, c'est pas un sérum, c'est une essence de chez, je sais pas comment ça se prononce, COSRX. Je sais pas comment on dit. Je vous avoue que j'ai vu ça sur TikTok, j'avais déjà essayé cette marque et ça avait trop bien marché sur mon visage. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Bon par contre j'arrive pas à l'ouvrir. Donc ça se présente comme ça, il y a grave genre une texture, ça se voit que c'est visqueux un peu. J'ai commandé aussi du savon noir africain,
parce que j'ai vu que ça aidait grave avec la peau. Donc là, j'ai pris Shea Moisture. Je sais qu'il y a plein de gens, enfin, j'ai vu ça après avoir commandé, bien évidemment, qui disaient que c'était pas le meilleur. Mais bon, je vais finir lui d'abord, bien évidemment, parce que ici, on n'est pas prompte à la surconsommation. On verra si ça marche. Si ça marche pas très bien, j'en commanderai un autre. Et ensuite une crème solaire, parce que ça fait grave longtemps que j'ai plus de crème solaire. Vraiment, quand je mettais de la crème solaire, ma peau elle était trop bien, genre elle était toute glowy, etc. Donc là, bien évidemment, je me suis encore fait influencer par les réseaux. Donc c'est la crème solaire de chez Beauty of Joseon. Je crois que c'est une marque coréenne, si je me trompe pas. En mode, en ce moment je suis grave à fond sur les skincare coréennes, parce que quand je vois leur peau, c'est juste incroyable. Et en fait, la plupart du temps, les skincare asiatiques, elles sont centrées sur l'hydratation et pas sur l'assèchement des boutons. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais vraiment, je trouve que leur manière de prendre soin de leur peau, personnellement, sur moi, marche beaucoup mieux que la manière occidentale. J'ai vu plein de gens qui disaient qu'elle laissait pas de traces blanches. Donc j'espère vraiment que ça en laisse pas, parce que moi, toutes les autres crèmes solaires que j'avais avant, elles étaient traces blanches. Et genre, en mode, vous savez, quand genre j'appliquais d'autres produits, ça me faisait ça me faisait de la pelure genre blanche et tout quand je mettais mon maquillage, bref c'était dégueulasse. Je vais préparer mon sac parce que là je vais à la bibliothèque avec Jade. On fait toutes les deux SES, on s'est dit qu'on allait réviser ensemble, c'est beaucoup plus fun et genre des fois c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui peut te dire ce que t'apprends mal, ce que t'as mal mémorisé, etc. Donc bref, je vais mettre mes fiches dedans. Donc il me reste genre 4 chapitres à apprendre, je crois. Donc j'ai appris la moitié, c'est déjà bien. Donc le chapitre sur la mobilité sociale, je le connais en soi, mais il faut quand même que je fortifie les bases. Commerce international, c'est la merde. C'est vraiment la merde. On a la pochette. Après, bien évidemment, mon casque. Donc ça, je vais le mettre en partant. Je vais prendre mon ordinateur au cas où, parce que j'ai des cours qui sont sur mon ordi. Donc on sait jamais. Après, bien évidemment, on n'oublie pas tout ce qui est chargeur, parce que vraiment, moi, mes batteries, elles tiennent pas. Genre, je sais pas comment vous faites pour tenir toute la journée, mais c'est un truc que j'y galère tout le temps. Je crois que normalement, j'ai rien oublié, mais j'oublie toujours un truc. Mais je me rappelle que quand je suis à 300 km. Donc bon, je vais prendre un stylo au cas où. Ça, c'est hyper important, je suis trop bête. Bah voilà. Voilà, j'allais oublier mes fiches sur la croissance économique. Je vous ai dit quoi. Chômage aura ma mort, je vous le dis. Là, je viens de finir d'apprendre le chômage, parce que du coup, je vous l'ai dit, j'avais pas du tout appris. Je pensais que ça allait être plus dur, mais en fait, ça va, c'est hyper simple. Juste, faut bien que je me rappelle des mots, parce que du coup, il y a des mots un petit peu compliqués. Mais je pense que quand je serai devant ma feuille, tout va me revenir. Donc là, je vais finir par le commerce international, aka le pire chapitre, aka le chapitre que j'ai détesté apprendre pour mon bac blanc. Mais ça va le faire. C'est ok. J'ai craqué, j'ai fait l'impasse sur le commerce international. Je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Là, je pars dans une heure. Donc, pendant ces une heure là, je vais juste me recoiffer vite fait. Je vais pas me maquiller, je pense, parce que grosse flemme. Je vais m'habiller et je vais relire tous mes chapitres. Et puis,
au petit bonheur la chance. Du coup, je suis rentrée. Là, je viens d'avoir SES, comme je vous avais dit. J'ai ouvert le dossier documentaire et en gros, soit on prend la disserte, soit une épreuve composée. Mais là, je regarde l'épreuve composée, je vois chômage, commerce international, l'autre chapitre là, sur le commerce. Bon, je sais plus c'est quoi, mais bref, j'ai fait oula. Je regarde la disserte, engagement politique. J'étais trop contente, les gars, trop contente. Du coup, moi, je sais pas faire une disserte, mais je me suis dit, vas-y, je vais faire... Je vais faire à peu près genre comme le C3, bon pour ceux qui sont en terminale ou en première, je vais faire une C3 mais genre gigantesque, c'est ce que j'ai fait. Je pense avoir bien réussi, après j'ai regardé un peu la méthode sur internet et j'ai vu qu'il y a qu'un seul truc que j'ai pas fait, mais bon c'est pas si grave que ça. Je pense avoir plus de points avec la disserte que si j'avais pris l'épreuve composée, du coup voilà. Donc là je vais aller me laver, je vais me reposer. Ce que je vais faire je pense c'est que je vais lire... Twisted Games, parce que c'est en anglais et qu'en AMC j'ai rien à réviser. Let's go, let's go! Petit outfit pour aller. L'éducation nationale. Voilà, j'espère que vous aimez bien. Donc, un haut qui vient de chez Vinted. Un jogging, parce que ici on est confortable. Et bien évidemment, les légendaires Crocs. Bon, c'est ma nouvelle vidéo, comment tu te sens? Alors, un petit peu stressé par rapport à hier, plus qu'hier. Celle-là, c'est la SES, du coup, je mise tout sur ça. Mais à JSC, t'étais pas stressé alors que c'est non, pire? Non, j'étais pas stressé. Non, franchement, non, parce que je mise tout sur la SES. Ok, ok. Mais Ron, t'es stressé? Non. Mais Ron, t'es stressé? Moi, franchement, je suis très sereine parce que là, aujourd'hui. Mais Ron, tu fais ça alors pour ta vie, à 2 secondes dans la vidéo. Moi, franchement, je suis très sereine, je dirais que j'ai spé chômage à MC. Ça va bien se passer.